the death of the battleship Tirpitz. RAF Lancasters roar to the attack. And here is the 45,000-ton pride of the German Navy firing desperately at the aerators. A 6-ton armor-piercing blockbuster is on its way. The Tirpitz is mortally hit, but replies with everything, including 15-inch guns, in this climactic battle of Tromso Fjord in Norway. Another near hit. The RAF is scoring after two previous unsuccessful attempts from Scottish bases 1,200 miles away. Another blockbuster heads for the target. Perfect weather sweeps away the defensive smokescreen, and another hit is registered. These RAF pictures show the death agonies of the crippled monster. Salutations, mes petits loups de mer et mes petites louves d'océan. Ici Starcade, votre hôte, et nous sommes de retour sur World of Warships avec une vidéo parlante. Hein, parce que je fais beaucoup de vidéos petites destructions entre amis qui sont sans parole. Surtout parce qu'en fait, j'ai très très occupé ces derniers temps et j'ai pas eu le temps. Et surtout, je suis toujours très occupé. J'ai très très peu de temps devant moi pour faire des vidéos. Donc là, j'en profite parce que c'est un événement assez spécial. Bah, déjà, nous sommes dans la campagne à la poursuite du Bismarck, comme vous pouvez le voir. Alors, poursuite du Bismarck est ici. Hop. Il y a 7 étapes dans la poursuite du Bismarck. J'en suis à 4 étapes pour l'instant. Enfin, étape 4 quoi. Et ça nous permet quoi? Ça nous permet de faire plein de choses intéressantes, déjà d'avoir des collections, c'est tout nouveau ça aussi. Dans le profil on va voir les collections, voilà. Alors c'est la première collection, il y en a d'autres prévues apparemment, donc c'est peut-être d'autres campagnes historiques entre guillemets hein, prévues. Donc là j'en suis à pratiquement tout complet là, après les 4 étapes, il reste 3 seulement pour avoir le camouflage spécial Bismarck. Le Bismarck ressemblait à ça lorsqu'il quitta la base de la Kriegsmarine à Cotthaven. Et au fond de l'océan, donc on a aussi le camouflage endommagé en fait, donc c'est pas mal. J'aime bien l'avoir les deux, c'est sympa. On va voir à quoi ça correspond, mais j'attends d'avoir les 3 derniers de la collection. On verra bien. Alors les collections, ça permet d'avoir déjà arrivé à la fin sur la récompense. Et en plus on a des copies, vous voyez ici, avec une petite clé. Donc alors il y a marqué, les copies sont additionnées et accumulées. Elles peuvent être utilisées pour acheter des objets de collection. Donc est-ce que je peux le faire ici par exemple? Acheter, ah bah oui je peux le faire. Bah voilà, hop j'achète pour 4 clés. Et hop là. Et ici nous avons acheté pour 4 clés. Oui, voilà, fermé. Et là j'achète pour 4 clés. Voilà. Collection complète à la portée du Bismarck. Récompense pour collection complète. Voilà, les petits camouflages. Alors on va voir sur le Bismarck d'ailleurs. Apparence, camouflage, est-ce qu'ils y sont? Oui, ils y sont, regardez. Alors, du fond de l'océan, bon, c'est pas terrible hein, comme truc qu'ils donnent par rapport au truc de base. Moi, j'ai quand même moins 10% au coût de la maintenance avec le camouflage historique. Donc, voyons un petit peu à quoi il ressemble en fait. Il ressemblait à ça quand il est sorti de la. Mais eux, installé, voilà. Il ressemblait à ça en fait quand il est sorti du fjord. Intéressant. Il avait du jaune sur les. Enfin, ses tourelles étaient. Le toit des tourelles était peint en jaune. Ah, il y avait le drapeau. Ouais. Ils ont fait le drapeau allemand là, à l'arrière, mais en fait, c'est le drapeau nazi, je me souviens. Quand j'ai fait la maquette, quand j'étais jeune, le drapeau, c'est un drapeau nazi qu'il y a là. C'est pas un drapeau allemand. Hein. Enfin bon, quoi qu'il en soit. Voilà donc à quoi il ressemblait quand il sortait du fjord. Bon, très bien. Chappie, je pense pas qu'il a le droit, lui, à faire son camouflage. Non, j'ai deux camouflages. J'ai un camouflage historique et un camouflage type Tanzanstrich. Voilà, donc alors je voulais juste vous montrer un peu les campagnes. Le Tirpitz, quant à lui, que s'est-il passé? Le Tirpitz a été détruit sans avoir fait une seule action. Il a juste attiré la flotte d'un convoi, la flotte de protection d'un convoi, hors de la protection du convoi justement. Ça, il a servi à ça en fait, avant de rentrer à nouveau dans son fjord. Et comme la flotte a laissé le convoi sans protection, les sous-marins, les avions de la Kriegsmarine, enfin de la Luftwaffe, se sont donnés à cœur joie sur le convoi. C'était le PR-17 je crois qui allait à Murmansk, et donc il a perdu 2/3 de ses navires. Il y a un très beau film fait par Wargaming là-dessus, que je vous conseille d'aller voir sur YouTube, hein, sur le compte Wargaming. Et sinon, écoutez, voilà, qu'est-ce qu'il a fait le Tirpitz? Rien.
Alors c'était l'un des deux cuirassés les plus puissants de la marine allemande. Similaire au navire de commandement de sa classe, le Tirpitz avait un blindage de navire lourd, une artillerie puissante et une vitesse, grande vitesse. Une protection de blindage horizontale faible était le principal inconvénient de son modèle, et cela a été largement compensé par l'amélioration de sa défense antiaérienne. Donc il était vulnérable au bombardement aérien et au tir plongeant. Voilà, voilà, donc c'était le Tirpitz qui malheureusement était détruit par des Lancaster dans un raid sur le fjord où il était ancré. Les Lancaster emportaient avec eux des bombes de plus de, je sais plus, 2 tonnes ou 3 tonnes, je sais plus. C'était quelque chose d'extraordinaire. Donc après plusieurs coups au but des bombes gigantesques, le Tirpitz à moitié explosé s'est retourné et il agit en tout cas. Assez longtemps dans le fjord, voilà voilà. Donc en fait pourquoi je fais cette petite vidéo, c'est parce que le replay que je vais vous passer après avec mes commentaires, c'est un replay d'un Kraken plus 2, ce qui ne m'était jamais arrivé avant. Voilà, j'ai toujours été, le plus long que j'ai été c'était avec un Iowa, j'ai fait un Kraken plus 1. Là j'ai fait un Kraken plus 2 avec le Tirpitz et franchement je m'y attendais pas du tout, hein. On s'y attend pas du tout, de toute façon on cherche pas à faire des Kraken, hein. On cherche à gagner la bataille, donc que ce soit en faisant l'objectif ou soit en détruisant les navires ennemis, donc on s'attend pas à faire un Kraken, on s'attend pas à faire Kraken plus 1 ou plus 2 quoi, c'est extraordinaire. Donc c'est la première fois que ça m'arrive, donc je suis tout content et je vous laisse regarder, je vous dis au débriefing après le replay. Ciao les petits loups de la marine, les petites louves de l'océan. Amusez-vous bien. Salut les petits loups, ici Starcade. Donc je suis là avec le replay, donc après le petit intro. Et voyons un peu l'équipe de quoi est composée. Donc il y a quand même 3 Bismarck de mon côté, un Tirpitz donc moi. De l'autre côté il y a un Alabama et 3 Tirpitz. Dunkerque, Bayern, New Orleans, Myoko, Cleveland, Leningrad, Fubuki, Pensacola. Bon. A l'air à peu près classique, on va dire. Et donc c'est une mission de capture de base, toute simple. Voilà. Et c'est un peu le son du jeu. On va mettre la voix en français. Standard. Appliqué. Volume général, on va baisser un peu quand même. Puis si on entend ma voix. Donc alors on commence comment? On commence dans un déploiement classique de capture de base ennemie. Hein. Je pars rarement le dernier, hein, dès que je suis souvent un des premiers sur la carte, donc je mets en route tout de suite. Alors les cuirassés allemands sont des gros brawlers, hein, donc moi j'hésite pas à aller en avant, à passer en 3 quarts de vitesse au minimum, quoi, et donc à suivre en ligne de bataille les cuirassés amis, donc on va passer en vue libre, voilà. On a Bismarck qui est pas stock, mais il a pas de camouflage en tout cas. D'abord, on a un autre Bismarck, il est comment? On va peut-être aller le voir plus facilement. Hein. Ah oui, donc pour ce replay, j'avais changé de viseur en fait. J'ai pris le viseur numéro 7 donné par Wargaming. Et on commence très fort. Alors je peux plus suivre les obus à partir de maintenant, donc désolé. J'ai commencé à tirer sur le Dunkerque qui est là-bas. Ouais. On va garder le replay en normal, on va dire en caméra basée sur la vidéo elle-même, en fait, sur la vidéo la vue que j'avais en fait. Voilà. Parce qu'en vue libre, j'ai moins en moins de la main. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Alors. Bon, ben, entre en matière normale. Hein, là, apparemment, il y a. À moitié de l'équipe qui part à gauche, autre moitié à droite. Là, j'ai touché le croiseur que je visais. Un peu chanceusement dans le citadelle. Bon, voilà. Un petit peu de chance. Parce que je l'avais vu disparaître juste avant de tirer, donc. Ensuite, alors là l'équipe se divise vraiment en deux, alors par contre il y a un gros groupe à gauche et un petit groupe à droite. Moi j'essaie d'aller repartir vers le milieu pour toucher les cibles qui sont plus possibles que j'ai vu disparaître. Là je m'envoie quelques salves, enfin une salve sur le Myoko. On va pas faire grand chose, hein. Je pense pas, non j'ai même manqué. Il y a deux navires qui me tirent dessus, je ne sais plus qui ils sont.
Et voilà, ils ont réapparu. Alors à 12 km, bon. C'est pour ça que je suis parti un peu plus au milieu parce qu'il y avait des cibles possibles, potentielles. Il passe derrière l'île donc non. J'ai pas eu le temps de tirer. Par contre lui il a eu le temps. J'adore les 152 qui font plus de dégâts que les. Pratiquement que les. Que les exobus de cuirassés quoi. Ça battra toujours. Là bon le Dunkerque m'a pris en cible. Bon j'étais un peu imprudent, faut bien le dire, hein, pour un commencement. Bon toucher le Dunkerque quand même. Retouché par une autre créature. Une autre créature. Un autre vaisseau. Alors sachant que là, je me cache parce que regardez, il y a tous ces navires là qui sont là, donc j'ai pas envie de me prendre toute la flotte ennemie sur le rable. Donc je vais rester un peu derrière l'île, je vais diminuer ma vitesse, la réaugmenter pour essayer d'avoir le Dunkerque. Bon je prends un peu de temps pour viser, hein, parce que j'aime pas viser à tort et à travers et manquer mes cibles alors que j'aurais pu les toucher en visant un peu mieux. Vous voyez, il y a toute la flotte ennemie qui est là. Hein. Regardez. Donc si je sors de l'île, je me prends toute la flotte. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai reparti vers l'est. Donc, toujours à la poursuite du Dunkerque, mais bon, il est un peu loin. Il y a le Myoko aussi qui est bon. Mais bon, toucher le Myoko à 18,9 km, c'est une gageure quand même. Hein. Bon, pour l'instant, c'est pas très... Ah voilà le client qui revient, il a fait demi-tour. Il l'aurait pas dû parce qu'un secondaire ça donne un cœur joie. J'ai pas envie de torpiller parce qu'il a plus de 6 km donc ça sert absolument à rien. Je vais tirer à l'arrière parce que j'ai pas envie de lui offrir mon flanc à chaque fois. Et ces incendiaires de flanc elles font plus de dégâts que quand je suis en angle donc voilà, c'est ce que j'ai eu comme toujours comme retour. Hein. Là je tire un peu au hasard malheureusement. Et boum! Croiseur ennemi envoyé par le fond. J'ai tiré à peu près où il était et j'ai eu un coup de chance, pof. Transpercé de part en part le Cleveland à la rejoindre au fond les abysses. Alors un petit repeat encore là. Eh oui, allez. Disons bien. Alors il s'appelle comment? Charlotte de Newit. Ouf. Il y en a qui ont des noms quelquefois qui sont assez bizarres. Bon. On m'envoie. J'ai tiré un peu trop en avant. Il était pas aussi rapide que je pensais. Moi c'est Leningrad qui m'a tiré dessus. Il continue d'ailleurs. Je l'ignore. Hein. Leningrad c'est un destroyer. Je pense que l'Atlanta devrait s'en charger. Mais bon. En tout cas, je le laisse à l'Atlanta. Qui a lui plus de chances de l'avoir que moi. Hein. Mon tire-piste est à vitesse moyenne, toujours là. Donc j'ai tiré ma salve un petit peu plus près de lui. Voilà. Ça a touché un peu mieux quand même. Mais il a fait un changement de cap au dernier moment quand j'ai tiré. Ce petit salopio! Bon là, je relonge l'île. Je n'ai pas été arrêté par l'île, j'ai vraiment eu de la chance aussi parce que j'aurais pu être arrêté par l'île, mais non, j'ai passé vraiment au ras. Quand on voit la taille des maisons, quoi. Par rapport à la taille du cuirassé, c'est incroyable. Tout ça, c'est à l'échelle. Hein. Donc là, toujours le Dunkerque qui est ma proie. Je l'ai pas lâché depuis le début. Alors, 3 morts chez l'ennemi, 1 mort chez nous. 2 croiseurs, 1 destroyer détruit chez eux. Et nous, un croiseur. Et on mène pour les plans au point, mais ça va pas durer longtemps. Alors, que se passe-t-il? Toute notre équipe s'est regroupée vers l'est. En formation en escadre. Donc. Au moins on est regroupé, on peut tirer, on peut focaliser. Apparemment personne n'a focalisé. Hein, donc, ce qui fait qu'on tire un peu au petit bonheur la chance. Là. C'est une équipe un peu désorganisée à laquelle j'appartiens. Et en face pareil. Hein. Donc, pour l'instant, pas grand chose comme cible à l'horizon, sauf le Dunkerque. Je vais me faire un plaisir d'allumer. Je suis pas super au point sur cette bataille. En tout cas dans les premières 10 minutes. Par exemple je pensais à autre chose en fait quand je jouais là. D'habitude je donne toujours des consignes focalisées là-dessus, focalisées là-dessus. Mais là je pense que j'étais un peu dans les nuages. D'ailleurs j'ai même pas touché le Dunkerque.
Là par contre toute la flotte ennemie me tombe dessus. Regardez. Une, on a le Mogami Leningrad, Abama, Tirpitz qui me tire dessus là en fait. Plus deux Tirpitz là-bas, je sais pas s'ils me tirent dessus, mais en tout cas, non, ils sont un peu trop loin. Et tout le monde me tire dessus là, donc hop. Je me carapate derrière l'île. En étant en feu, mais c'est pas très grave. Je passe à côté de l'Atlanta qui est juste devant moi. Ah, j'étais focalisé par 4 navires là. Je pense. Voire même plus. Quoi qu'il en soit, je leur ai échappé. En allant derrière l'île. Et vu que juste ici il y a une autre île qui va me cacher aussi. Donc là mes secondaires là, ils entrent en action mais assez bien on va dire. Aïe, là un coup qui fait mal quand même. Et là il y a mes amis, là, le Bayern qui a été détruit. Sniff. Alors là on est à 2 navires détruits pour nous et 3 navires détruits chez eux. Là je passe avec mon flanc là, devant, là c'est pas très très recommandé mais bon. J'ai une autre île devant qui va pouvoir me protéger le temps que je tire ma salve. On a un Alabama qui recule, donc plus facile à toucher. Un de mes lance-torpilles a été détruit aussi. Lui aussi m'a fait très mal, 11 000 points. Je n'ai plus de torpilles donc c'est même pas la peine. Un tirpitz à 3 km, 3,2 km, alors là c'est... Là, c'était ça passe ou ça casse quoi. Et d'un seul coup, le Mahan arrive et hop, me met dans un nuage. Un écran de fumée donc. Kaboum! J'ai fait. Ouf! Il a failli me torpiller le Mahan. Oh, il a cru que j'allais m'arrêter en fait. Et là, je suis très très mal, regardez. Je suis à 12 000 points de structure, un seul détruit. Et un tirpice qui est pas loin de moi. Heureusement, les torpilles du Mahan vont aller vers leur but. D'ailleurs, il va mourir avant le 2, voilà, c'est moi qui l'ai détruit. Et là, je suis très mal, j'ai 4 torpilles du tir qui arrivent vers moi, qui viennent à destroyer un peu plus loin. Et boum. Ah, elle s'arrête juste avant. Cette chance. Ah, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Bon, le Dunkerque, là, 10 km. Je vais m'occuper de son cas. Donc là, j'ai une chance de folie, quoi, de cette partie. Alors déjà je suis à 11 000 points de structure, c'est très peu. J'ai échappé à un massacre généralisé en focalisation tout à l'heure. J'ai échappé au tirpitz qui était devant moi parce que le ban m'a enveloppé d'un écran de fumée. J'ai échappé aux torpilles qui étaient sur moi à cause de l'endurance des torpilles qui s'arrêtait. Et maintenant là, hop, j'ai tout le monde qui revient sur moi, j'en ai 3 sur moi là, 2 minimum. Mais j'ai encore une île à côté là, regardez. Quand on ouvre la mini carte, une île là, vous voyez. Je vais me réfugier derrière. Je crois hein. Ah, j'ai détruit un navire, le Myoko, qui était à côté du Dunkerque, qui n'était pas visible. Je tiens à préciser ça hein. Un mes obus a manqué le Dunkerque mais a coulé le Myoko. C'est balèze quand même. Donc troisième victime. Vous voyez, il est juste derrière, vous voyez. Et il était pas sur le. Vous verrez sur le replay, il était pas sur mes scanners en fait. Enfin sur mes scanners, en visuel. Je l'ai détruit sans le vouloir. Avec une tourelle que j'ai tirée toute seule, hein. Quand même. Très fort. Donc je continue d'arroser le Dunkerque tout en ouvrant grand les yeux de surprise. Et là je fais le tour de mon île tranquille, voilà, pendant que personne s'occupe de moi. Alors dans le nord on a un destroyer et un cuirassé qui essaie de sauvegarder notre base contre deux cuirassés ennemis. Alors si je regarde bien, ouais, il y a deux Tirpitz qui attaquent un Bismarck. Le Bismarck est mal, très très mal même. Est-ce qu'il va réussir à détruire un... Non, François, il est mort. Donc on a deux Tirpitz dans le nord qui menacent notre base avec un Chino nommé qui essaie de garder la base intacte, mais bon, ça va pas être facile. Moi je fais le tour de l'île. Il y a un Oud qui est pas loin. Ah non, c'est un Dunkerque, pardon. Et donc on en est à 5 à 5. Ah non, 6 à 6, pardon. 6 partout. Là on est au niveau des points, on est pas bon. Hein. Normalement si on perd un navire, on peut perdre aussi au niveau des points, au niveau de la bataille, puisqu'on est à 7 minutes de la fin. Je tire au-dessus de l'île qui est pas mal. J'aime bien le fait d'avoir pu juste tirer juste au-dessus. Je touche le Dunkerque mais je ne coule pas, malheureusement. Il était en angle donc ça aurait été difficile. Tout le monde focalise le Dunkerque. Qui était endommagé, donc le Mahan là au bas, mes secondaires. Dans le nord, on a notre bis. Ah, notre Aoba a été détruit par le Dunkerque. Moi j'en profite pour réduire le Dunkerque
en miettes. On arrive donc à 102 000 points de dégâts. Bon, j'ai dépassé les 100 000, mais bon. Ça, c'est un peu normal, je pense, dans un tier 8. Dépasser les 100 000, c'est bien. Dans un tier 9, je pense qu'il faut dépasser les 125 000, et puis dans un tier 10, c'est 150 000. L'Alabama sera ma prochaine cible. Et apparemment, on est un peu dispersé, comme vous pouvez le voir sur la carte. On est 4 navires, à ce moment-là, je pense qu'on va perdre. Comme d'hab d'ailleurs, hein, à chaque fois que les batailles prennent un tournant décisif, j'ai toujours l'impression qu'on va perdre. Donc on a un Bismarck qui est contre l'Alabama, qui est en train de perdre contre l'Alabama. Au niveau des points de structure, il est en train de se faire allumer. En plus, il y a un navire qui lui tire dessus. Un autre navire, voilà, il va mourir bientôt. Attention, voilà, notre Bismarck est mort, mais le Shidonome a détruit le Mogami, qui essayait de prendre notre base. Et avec le Mahan, on fonce vers la base ennemie. Sachant qu'il y a encore un destroyer ennemi qui est pas loin. J'ai détruit l'Alabama. j'ai même pas regardé ce que je faisais, hein. C'était Et là, je me penche dans la situation la suivante, c'est que soit je vais avec le Mahan vers la base ennemie, soit j'empêche le Pensacola qui est là-bas de prendre la base. Donc j'en suis déjà à Kraken. Donc je tire sur le Pensacola qui est à 20 km. À cette distance-là, il y a très peu de chances de le détruire, en tout cas, par un coup de chance inopiné, mais bon. Donc, je suis toujours à 16 000 points de structure, donc c'est toujours un peu dangereux pour moi, vu qu'il y a un cuirassé ennemi toujours en jeu. C'est un tire-piste d'ailleurs, je crois. Bon, je manque le Pensacola. Par contre, on tire dessus. C'est le Mahan, je crois. Ouais. Un Leningrad, pardon. C'est pas le Mahan, c'est le Leningrad. On tire dessus et ça fait très mal, en fait. Hein. Il faut que je fasse attention parce que le... Il peut mettre le feu très facilement. Donc là, moi, je continue Pensacola parce que sinon, il prend la base. Hein. Donc, et je me rapproche, en fait, du milieu de la carte pour pouvoir tirer sur le Pensacola qui est au nord. Et pour aller obliquer sur la base ennemie si jamais il y a besoin. Ah, bah, une citadelle. Et j'ai fait deux crans de défense. Donc c'est bien. Le Shinonome, lui je pense que doit être de l'allumer de loin. On a 3 contre 3 là. Hein. Donc j'ai ramené à 5 coulées, j'ai ramené la balance un peu en notre faveur. Sauf qu'au niveau des points là, on perd toujours. Donc là, j'ai tiré sur le Pensacola, je sais pas du tout. J'ai pas regardé ce que je faisais en fait. Voilà, et je l'ai coulé aussi. c'est pas un concours de chance où je vise bien, je sais pas. En tout cas, j'ai visé à chaque fois. Ou je sais pas si c'est le nouveau viseur que j'utilise, mais c'est un viseur numéro 7. Hein, je conseille d'utiliser parce qu'il est assez précis. Alors, il y a le tirpiste, on me dit que le tirpiste qui reste, le survivant, est à 800 points de structure. Donc, si je le croise, je l'éradique. Mais lui, s'il fait des bonnes citadelles, il peut m'éradiquer aussi. Donc là, pour l'instant, le Leningrad voit que c'est en me détruisant moi qu'il faut le... Il y a plus de chances de faire pencher la balance à nouveau dans sa faveur. En tout cas, pour l'instant, ils gagnent. Hein. Ils sont en 3 minutes de gagner, là, au niveau des points. Bon, je lui tire mes obus. Ah, le tirpiste est apparu derrière l'île. Je le touche, le Leningrad. J'ai mes secondaires qui lui font mal, quand même. Je retouche le Leningrad pour 3040 points. Donc j'ai eu à 3 succès là quand même. Hein. Il y a soutien, Kraken et destruction par les secondaires. je crois que c'est champion des combats rapprochés. Donc le tirpiste est pas loin, mais je crois que notre Mahan va l'allumer. Bon, je tire des torpilles dans le nuage de fumée de l'autre là. Sans grand espoir. Mais là, regardez, je vais vous montrer. Il y a notre Shinonome là qui va tirer sur le tirpiste. Et qui va le finir en fait. Je pense que j'aurais pu le finir aussi, ça aurait fait plus 8, c'était pas mal. Voilà, il l'a eu. Donc bah, maintenant, au niveau des points, on a gagné, plus besoin de faire quoi que ce soit. Sauf que le Leningrad, lui, il va revenir à l'attaque. Parce que. Il pense que s'il met le feu et qu'il me détruit avant la fin, je pense qu'il va pouvoir. Il pourrait me détruire. Enfin, pourrait gagner la partie. Donc pour l'instant. Je suis en Kraken plus 1, donc je suis content moi. Je m'éloigne de l'endroit où se trouve le Leningrad. Je suis à 140 000 points de dégâts. Une bonne partie. Pour l'instant on gagne. Au point on gagne de toute façon. Moi j'ai rien à faire que rester en vie en fait.
Donc je rejoins tranquillement mon petit camarade le Shinonome. Et à ce moment-là, Leningrad se rapproche. Il essaye de mettre le feu, en fait. Il réussit. Et moi, je vais lui tirer dessus. Parce que je peux, voilà. Déjà, hop, une première salve. Ah bah, elle a suffi. Voilà, craquer le plus. Donc voilà, c'était une petite bataille avec le Tirpitz. Donc on se retrouve pour le débrief juste après. Re-salut les petits loups de mer, ici Starcadre, votre hôte. Eh bien écoutez, nous sommes là pour le débriefing de la bataille avec le Kraken plus 2 que je viens de faire. Que je viens de vous passer plutôt. Et voilà, ça peut arriver à tout le monde, tous ceux qui jouent, hein, ça peut arriver. J'étais parti dans cette bataille un peu la tête dans les nuages, un peu tête en l'air. Je pensais à autre chose, je pensais à la campagne du Bismarck, je regardais ma table à côté, j'écoutais un truc sur le téléphone. En fait, la bataille, à peu près vers la, j'irais le quart de, non plus ça, le tiers de la bataille, j'ai commencé à m'intéresser vraiment parce que j'ai vu qu'on était encore en possibilité de gagner, donc j'ai fait tout pour gagner. Parce qu'en fait, quand ils ont commencé à me focaliser, j'ai dit bon, bah, je suis mort dans deux minutes, je suis mort, quoi, y a pas de problème. Eh ben non, j'ai persévéré, je me suis libéré la tête en fait au bout de 7-8 minutes, et j'ai commencé à vraiment à me lancer dans la bataille. Et là, quand on se lance dans la bataille, qu'on se concentre complètement, on arrive à faire des miracles. Alors sachant que j'ai eu de la chance quand même, hein, faut bien le dire, le coup du Miyoko était quelque chose d'absolument énormément chanceux. Il y a un autre, c'est l'Alabama, je crois. J'ai même pas regardé quand je tirais sur lui, j'ai même pas regardé ce que je tirais. Enfin, où je tirais, je l'ai eu. Il restait plus grand chose. C'est pas une structure, mais je l'ai eu quand même. Et bon, en gros, le dernier, donc le Leningrad, c'était pas un coup de chance, mais c'était juste le fait que, il est sorti du brouillard pour essayer de m'avoir, enfin, de son écran de fumée pour essayer de m'avoir, et il aurait pas dû. Hein. Bon, voilà. Bon, il s'est fait quelques points de dégâts en plus sur moi en incendie, mais c'est tout quoi. Mais moi je pensais pas l'avoir, hein. J'ai tiré sans grande conviction. J'avais deux tourelles avant qui arrivaient aussi en position de tir. Donc je me disais, bon, je vais le chasser un petit peu jusqu'à la fin des deux minutes quoi. Non, voilà. Donc Kraken plus 2, donc 7 navires détruits. C'est la première fois que ça m'arrive dans toute l'histoire de World of Warships depuis 2 ans et demi que je joue. Même dans la bêta. Dans la bêta fermée, j'ai jamais réussi à faire ça, donc voilà. Pour moi, c'était un peu un cran au-dessus du Kraken plus 6 que j'avais fait avec l'Iowa. Donc voilà, c'était pour vous présenter un peu la surprise que j'ai pu avoir en faisant un Kraken plus 2. Voilà. Bah, écoutez, moi je vous dis à bientôt, je vous dis bonne campagne du Bismarck si vous y jouez en tout cas. Elle est très sympa, même si c'est des tâches à faire. Les tâches sont assez simples à faire. Ah oui, autre chose, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis ruiné, j'ai plus rien sur mon compte en banque. Mais j'ai acheté le Hood. Voilà. Et je ne suis pas déçu du tout, c'est un très bon navire. Je vous dis à bientôt. Et surtout, portez-vous bien et jouez à World of Warships. Et très bientôt, les scénarios joueurs contre ennemis, miam, en campagne, enfin en opération. On en parle plus longuement bientôt avec la 0.6.6. Allez, rompez !